Allô? Allô Antoine? Ouais. T'en es où là? J'en peux plus. Y a rien qui va, ça me saoule. La musique elle me fait chier, y a tout qui me fait chier. Je suis censé faire 30 secondes de choré, j'arrive même pas à en faire 3. Y a aucun sens, tout est mécanique. Le matin je me réveille, j'ai même pas envie d'aller en répète au studio, donc ça me saoule. Mais Antoine, t'es conscient qu'on a des échéances à respecter là? Mais je sais, mais je peux pas, j'y arrive pas là. Attends, mais on fait comment alors? Tu peux pas tout faire tout seul Antoine là? Tu veux qu'on engage un autre chorégraphe? Je peux contacter des gens s'il faut. Mais non, c'est bon, je vais me débrouiller tout seul là. Juste que je suis trop coincé dans mon petit costume de ballet. Il faut que je sorte, il faut que je fasse un truc là, il faut que je bouge en fait, c'est tout. Il faut vraiment que tu rencontres le programmateur du théâtre pour les représentations parisiennes. Et tiens, et puis t'oublie pas l'interview du 6 juin non plus, c'est hyper important, d'accord? Ouais, merci Claire, je te rappelle. Excusez-moi, je vous ai entendu jouer hier et j'aime beaucoup. Merci. Je suis danseur et je monte un spectacle. Je peux vous offrir un café? Ok. Café. Merci. Je peux te demander un verre d'eau aussi? Comme d'habitude. Bon alors, pourquoi tu fais de la musique dans la rue? J'ai envie de partager ma musique. T'as un boulot à côté? Ah oui, j'ai distribué des flyers dans la rue. Ouais. Je gagne pas beaucoup, mais ça suffit. Et le spectacle alors, ça t'intéresse? Qu'on travaille ensemble avec ta musique? Je ne sais pas. T'es venu jusqu'ici avec moi, c'est que ça t'intéresse. J'aime quand les gens viennent me voir et qu'ils me disent qu'ils aiment ma musique. Mais j'aime aussi être discret. Jouer pour un petit public. Bien sûr, on te paiera. 500 euros par semaine, ça t'irait? Qu'est-ce que tu veux quand je joue? Alors, la musique de l'autre jour, en plus tu vas voir, elle va trop bien résonner au théâtre. Je la veux pour le dernier acte. Et ensuite, on va travailler ensemble, ok? Qu'est-ce que tu me proposes? Bonjour.
savoir qui c'est. Sad, un musicien. Je voulais t'en parler, mais je voulais d'abord que tu le rencontres. Et tu te rappelles, quand il manquait d'inspiration et tout ça, bah c'est lui qui me la donne. Mais t'es sûr de toi, là? Enfin, tu l'as trouvé où, ce type? Dans la rue. Mais je sais ce que tu vas dire. Quand t'écouteras ce qu'il fait, tu comprendras. Ok, dans la rue, mais juste une chose, on va faire comment pour le payer, là? C'est moi qui le paierai, si c'est ça le problème. Et tu veux le payer comment, en cash? Oui, en cash, mais bon, là, tu me parles d'argent, de tout ça, là, moi, je te parle d'art, voilà. Donc fais-moi pas chier. Ok. Oh, c'est bien, t'as trouvé une nouvelle source d'inspiration. Oui, t'inquiète. Puis tu vas pas me dire qu'entre nous, au niveau de l'image, c'est pas top. Ah, voilà, bon. Eh ben, je vous laisse bosser. Oui. Tu m'appelles, hein, tu me tiens au courant. अम्मी अब्बू और मेरी प्यारी बहन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यहाँ सब ठीक चल रहा है। काफ़ी वक्त हो गया है कि आपको कोई खत या फ़ोन नहीं कर पाया। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। मुझे एक अच्छा सा कमरा मिल गया जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने पैसे कमाना भी शुरू कर दिया है। मैं लोगों के सामने गाना गाता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। जल्दी मेरे पास इतने पैसे होंगे कि आपको भेज सकूँ। तब तक आपको ऐसे ही खत लिखता रहूँगा। आप सबको प्यार साथ। Vous avez vu dans un ballet à l'Odéon il y a quelques années. C'était formidable. Enfin, vous étiez formidable. Je me souviens que vous teniez un rôle important et j'avais beaucoup aimé. Bon, pardon, je m'exprime un peu beaucoup. Je vous laisse découvrir le théâtre. Ça vous plaît? Ah ouais, ouais. C'est une proposition, hein. Saad, c'est votre nom de scène? Oui, 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 c'est son nom de scène, oui. Tu m'avais dit que j'essaie dans ton ombre. Tu sais ce que tu risques. Non, mais tu comprends pas, là. T'as l'opportunité de montrer ce que tu sais faire. Regarde où t'es, regarde autour de toi, ça vaut le coup. T'as peur de quoi? Je crois que c'est toi qui comprends pas bien. J'ai pas de papier. Si je suis trop exposé, je vais partir. Pas de spectacle et je rentre chez moi. Attends, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je te rappelle que c'est toi qui as voulu participer au spectacle. Bon, allez, Sad, un petit effort, là, s'il te plaît. Bon, qu'est-ce qui se passe là, Sad, putain? Parce que des bottes, gars. I told you I don't want to work like this. I can't play like this. You're not going to step on me for your own shitty career. Mais t'es même plus capable de jouer correctement là. Puis de toute façon, tu me fais chier. À chaque fois que tu parles, je comprends rien. Pardon, Bonjour monsieur Hassan, je vous appelle simplement, on doit procéder à une vérification de votre carte de séjour. Il faudra impérativement vous présenter au commissariat de Montreuil avant le 8 juin. Voilà, vous pouvez me rappeler ou passer directement. Je vous attends à mon bureau.